Bonjour mesdames et messieurs, voici une nouvelle vidéo de la chaîne Sagato sur Dark Souls 1 pour l'épisode 20 de notre fameuse série. Oh, désolé, je commence à avoir une glitch. Pas bon thing. Bref, ça fait une ou deux semaines que j'ai pas joué à ce jeu-là, donc j'en ai aucune idée comment je vais me débrouiller. Oui, j'avais des petites vidéos en prévu, Ma manière de parler, c'est que je n'avais en stock, et en plus, là, j'ai décidé de... de relancer ma cadence. Je faisais ça à chaque jour. Maintenant, c'est à chaque deux jours pratiquement. Donc, c'était pas voulu, les amis, mais. C'est ça. Donc, j'ai décidé de relancer un peu. Je vais essayer de remettre ça autant vite. Mais. On va juste faire ça comme cela. Là, je recommence à faire une couple d'épisodes d'affilée. Donc, faut se dire que l'épisode précédent, je me souviens plus trop trop qu'est-ce qu'on a fait. Je crois que. Je me souviens plus ben. Non, ben, en fait. On a fait de quoi? Faudrait que je regarde, mais... Mettons qu'on était exploré la forêt de... Non, c'est vrai, on était battre un monstre avant de venir ici. On a exploré, dans le fond, les sous-sols de... Les égouts, plutôt dire. De ici. Ah. Pourquoi qu'il y a ça? Les égouts. Les égouts de ici, en tout. C'est fabuleusement beau. Bon. Ah, le magicien une tape énorme. Apparemment qu'il ne voit pas en premier. Ah, viens. On va attendre qu'il vienne en haut. Il donne la bonne armure, lui. Qui t'a donné, mais en emmenant, on va la trouver. Ah! Hein? Et voilà, la clé mort est quand même assez utile, c'est sûr que... Hein. Je veux pas être toxique, ça m'intéresse vraiment pas. Surtout, j'ai vraiment pas beaucoup de vie parce que dans le dernier épisode, j'ai été pétrifié! Mot ta vie! Je savais qu'il y avait un item petit. Les grands titaniques, j'en ai besoin. C'est juste que j'ai jamais obtenu l'item que j'aurais aimé obtenir, la fameuse lampe. Donc, ici, il y a des items en bas là. Et oui, bon. Ah. La clé mort, je l'aime, mais c'est trop un arme que tout le monde utilise. Donc, ça me tape un peu ses nerfs. Voilà. J'ai vraiment pas beaucoup de vie quand ça repense à ça demain. Là, il y a un trou. Puis là, ça va être. Où je suis allé. Dans le dernier épisode de battre la fameuse géante souris. Je veux pas descendre en tout, bien évidemment. Ah oui. Faudrait que. En fait, j'en ai plus. Je sais plus vraiment où aller. C'est juste que je crois qu'il y a un chemin par ici. Il faut tenir la gauche. Faut tenir le joystick par la gauche pour passer sans tomber. Sauf qu'il y a des items en bas là. Que nous devrions aller chercher. Parce que là, on skip toutes les places, mais c'est pas grave, on va revenir en arrière, c'est pas... Oh, what the hell, elle est tombée là. Ils font pas vraiment mal, heureusement. Je peux pas aller en dessous ici. Humanité. Ah, si je me souviens, si je suis humain, il va avoir un Black Phantom qui va apparaître. Ça vient de la map. Ah ah! Un peu une des raisons pourquoi je suis allé ici, aussi. Ça n'a pas de sens! Oh, wow. On va juste récupérer ça. C'est pas le 20 000, c'est ça. Ah, wow, c'est affreux ça, comment ça vous paralyse vite, mes amis. Il y a quelqu'un qui a été pétrifié. Là, je recule en arrière, mais c'est pas grave. Je préfère tellement aller chercher des items que j'ai pas trouvé qu'avant d'aller... un boss. Oh, what?
Non, 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 non. En fait, les filles vous touchent, je crois que ça vous paralyse comme beaucoup plus. What? Je les aime vraiment pas ces monstres-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas. Juste le fait qu'ils vous paralysent, c'est pas simple qu'il y en a qui en a. Ah! Fait qu'elle est assez plongeante. Pourquoi je sais pas? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hop! Les deux d'un coup. Tant mieux. Je crois qu'il va en avoir un autre ici. Non, ça me va pas. Anneau d'œil maléfique. C'est un anneau qui permet de récupérer des PV de chaque ennemi qu'on tue. Il peut être utile, mais. Bon, on va récupérer des items ici, tant mieux, faut se dire. C'est pas vraiment une place où que vous devez venir absolument, je crois. C'est plutôt risqué, bon. Ici, bien évidemment, il y a un trou. Si vous tombez dans le trou, ça vous fait tomber ici. On va l'essayer, on va heal après au cas où que je retombe. Un item, on va aller chercher. Qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. On va le voir. Bon. Bon. Humanité. Bon, ça valait la peine. Bon. Non, ici, ce n'est plus nécessaire. Sortons. Sortons. Bon. C'est sûr que là, on pourrait être là encore en arrière par ici. Je crois bien. Où j'avance, j'en ai aucune idée. Je me perds toujours à ces endroits ici, sérieusement. Il y a tellement de chemin que. Oh boy! Non, je recule. Ouais, je recule parce que. On n'est pas venu ici. Non, mais je me reconnais un peu dans. Enfin, je me suis beaucoup promené ici, faut te dire. Ah, je suis quasiment revenu au début. Ou pas. Ah, en fait, j'ai. Non. Bon. Et puis, je voulais venir. Bon. Non, Jay, t'es monté là. Pas croyable. Ils sont très le fun à tuer. Oh, what? Il y avait un chemin ici. J'ai jamais vu qu'il y avait un chemin ici. Pour toutes les fois que j'ai joué, j'avais jamais vu qu'il y avait un chemin ici. Wow, 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 hein. Non, un raccourci. Oh, wow. Wow. Un raccourci! Pour du premier feu, vous venez ici. Mais. Ah, je sais même pas. Ah, mais c'est bon à savoir! Il y a un paquet de bébites qui peut tomber. Je crois qu'on va s'amener. Ils vont juste déporter juste pour dire. La souris, elle veut pas savoir grand chose de moi. Ok. Il y a une autre souris ici. Ah! Bon, je sais pas si je pétrifie. C'est fait que je suis encore même. Même le message a été aimé. Est-ce qu'il n'y a pas supposé d'avoir une personne genre ici? Normalement, il y a un marchand que ça. Ici, mais il n'y est pas. Pourquoi? Je sais pas. Ah, j'ai vraiment pas beaucoup de vie! Ça m'énerve! Faudrait qu'il y en ait que. Je n'ai plus, sinon je ne verrai pas comment je vais faire ça. Il dit l'item en bas là, bien évidemment. Nous devons aller chercher. Je sais pas si je suis pétrifié, ça fait que je suis une carcasse. Oui. Oh merde. Mais bref. Je veux pas.
Il va falloir que je retourne en arrière, les amis. M'acheter un item qui va me permettre de plus être pétrifié. Ce serait bien le fun. Avant, je vais juste aller chercher 2-3 d'items ici là. Sinon, faut que je fasse un bot ici. Et voilà. On s'entend que faire un bot. En essayant, j'ai. Oui, j'en ai 12. Donc, on va l'utiliser. En étant pétrifié, c'est pas trop intéressant. Peut-être qu'il va falloir que je refasse de la goutte. Mais j'ai ouvert un raccourci. Donc, tant mieux. Tant mieux, oui. Mais là, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est. Téléportation. Sanctuaire, les cheveux, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est en plus, on a ouvert une porte qui nous permet de revenir dans les dégouts assez rapidement en portant par là. Donc, on. On va t'essayer, on va t'essayer. Après, on a un bot à faire, mais là, je fais juste ça pour aller récupérer des items pour nous permettre de redevenir humain. Pour rester une carcasse pétrifiée. Au moins, j'ai récupéré mes 20 000 sous, là, ça va nous permettre de racheter ces items. Lui est encore là, good. Bon! On fait juste courir. Il y a tous les monstres possibles. Tiens, on va direct dans le fond là-bas. Moi je suis le Black Knight Dragon. Bon. T'es vraiment loin. Mais t'es fou comment toutes les plans dans Dark Souls 1 sont toutes interconnectées, faut te dire. Je ne jette deux au cas. Un effet de poison sur l'arme. On va en acheter 21 pour dépenser nos sous. Non, je voulais pas vraiment dépenser nos sous pour ça, mais c'est plus pour. Ça va m'aider, en fait. Ça va m'aider. Juste. T'es jamais perdu. Surtout en PVP non plus. Bon. C'est vrai que je suis ici, mais c'est sûrement pas long à aller à l'autre feu. En tout cas. Je sais pas si c'est une téléportation. Je lui. J'aime pas ça avec les morts à deux mains. Il est tombé! Il s'est pété la gueule! Bon. Bon, on n'y est pas avec ça. C'est pas facile de rester cette tour-là, surtout que le même piton pour courir, c'est pour sauter. Ça, j'ai eu de la misère à l'apprendre. Comparé à Dark Souls 2, que c'est, tu peux mettre L3 à la place. En tout cas, le piton de joystick, pour ceux qui sont sur Xbox. Hein. Et voilà, donc si je retourne en arrière, on peut descendre ici. Ça va quand même assez vite. C'est juste que j'aimerais aller l'autre bord un jour. Là. Non! On descend. C'est sûr qu'il a fallu que j'aille l'autre feu. Je vais y aller parce que si je meurs, je vais devoir me retaper tout le même. Tout le chemin, donc ça serait préférable d'aller me coucher à l'autre feu. Ici, c'est sûr que je pourrais sauter, que non. Ok. C'est bizarre que j'ai jamais remarqué cette raccourci-là avant. Wow, je pensais que les boîtes n'étaient pas des molotables. Le pire, c'est que je suis vraiment à l'autre feu. Genre vraiment à côté, là. Je peux pas être plus proche que ça.
En même temps, on va utiliser l'objet tant voulu, t'es que. Yo, 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 yeah. Et voilà. Ok! On va redevenir humain. Et voilà! Et voilà, t'es tout fait que je voulais faire, les amis. T'es pâté. On est parti pour un bot. Et voilà. Bon! Qui savait qu'il pouvait avoir ça ici? Moi, non. Bonne nouvelle, on est juste à côté. Et le pire, c'est qu'on aurait pu t'étendre directement au début, mais je suis sûr que regardez, la porte ne peut s'ouvrir de ce côté. Pratiquement sûr à 199%. Une souris. On des montres que. N'oubliez pas. Encore personne ici. Il faut quand même trouver ailleurs. Bref, non. À moins que. Non. On avait vu avant. Bon! S'il y a quelqu'un pour faire apparaître quelqu'un, je vais le prendre, je me gênerai pas. Surtout le fait que. T'es pas un bot. Ben, j'avais pas eu trop de misère. Oui, il était fort, tout ça, mais. C'est juste que. Je sais pas. Solaire, si je me souviens, il va être là. Solaire! Oui, Solaire, mon ami. Wow! Solaire, Mountain Bro! Tu leur dis, il y avait de monde ici, mais j'étais beaucoup moins haut niveau quand j'étais venu avant. Ah. Ah, désolé, tu m'as entendu boire de l'eau, j'ai besoin de respirer de l'eau. Bah, allons-y. Ah. Quel magnifique endroit ouverte avec des dents, avec des items, ouh là là. Ah, t'es juste un petit serpent. Hein? Ouais. Ok. Ils peuvent vous manger la figure. Ils peuvent vous massacrer. Et c'est pas un boss qui vous fait du bien. Ok. Donc, ne paniquons pas. Paniquer, c'est la pire chose à faire dans le monde. Je suis prêt! On va aller l'attaquer à queue! On peut y couper les queues. Oh boy, t'as l'air. Vous voyez qu'il est quand même assez résistant! La musique est épique. T'as là, non! On va faire un boulot au travers de ton attaque. T'as là, faut pas qu'il meure suite, c'est très décevant. J'ai même pas fait un quart de ta vie. Grand âge, ouais, bon. C'est pas demain, très bon, tu sais. Touche-les, touche-les. Non! T'as l'air, ils vont mourir. Ah, c'est moi. Hein? En fait, je. Oh boy, Solaire, non! Il est Dieu. Adieu, Solaire! Ah, il n'y a plus de queue! Ah! Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah.
Il a dégueulé! Fait de malade. La 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 la. Tu n'as plus le cœur. Oh la 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 la. Elle fait plus rien comment? Je pense que tu veux pas être en tour de cette attaque là. Non. Ok, je peux plus courir. Qu'est-ce qu'il fait? Je me demande ça, qu'est-ce qu'il fait, mais en fait il dégueule. Dégon bien. J'ai manqué ma roulade. Bref, pas grave. Non, il te fait t'es bien. Ça l'a aidé un petit peu, heureusement. On va peut-être pas mourir. Ça pourrait fort bien arriver. Ah! Oh! Il était très chanteux, les amis. Son point faible? Ah! Oh mon dieu, c'était affreux, c'est comme point de vue. So. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais. On te gênera pas. La 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 la. Bon, il y a des items. Il y a des items, il y a des items. À de retour. Yay! 4 timbres. Bon, une armure de. Pas trop bon. Ouais, on peut aller ici. C'est un endroit. Ah non, ok. En fait, il n'y a aucune place où aller, là. C'est pour ça qu'il donne un ordre de retour. Bon. Sûr qu'on pourrait retourner vers un fameux village que nous sommes déjà allés. Blighttown. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est juste que c'est Blighttown en anglais. Ouh. Ah, je comprends pourquoi qu'il n'y a pas une personne ici à parler. On n'a même pas essayé une fiole avec tout ça, vaut de mon temps. Bon, ici. Utilise un autre clipiscule. Bon. T'arrives à la fameuse porte pour aller à Blighttown, qui est en bas là, que nous avons déjà faite. Donc, je crois pas que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Oui, peut-être qu'il y a des items à aller chercher ici, là. Mais non, ça ne tente pas. Pourquoi aller à un endroit où nous sommes déjà allés? Que j'ai fait d'avance. J'ai peut-être pas tout récupéré, c'est sûr, mais en ce moment, ça me tente plutôt pas. On va retourner à la fameuse place où qu'on peut améliorer nos armes. Ouais, c'est ça. Et par la suite, nous pourrions arrêter pour cet épisode. Ouais, ok. Non. Je voulais pas quitter, je voulais téléportation en paroisse des morts vivants. Yep. On va tout réparer mon toffe. Après ça, je vais monter de niveau. Si je peux. Mais j'ai quand même assez de sourds les idées. Là. Le boss c'est bien fait. Ça m'a surpris. Il m'a juste touché 2-3 fois. Là. 3 fois maximum. C'est sûr que j'ai une bonne armure pour pouvoir le faire là. Et on va aller voir tout de suite ton arme qu'il nous a donné. Une très bonne arme de force, bien évidemment. Il faut 50 de force pour l'utiliser. Donc 25 pour une main. Comme ça, et énorme que je peux pas étudier. J'ai combien de force?
Il le tue étrangement lourd. T'es normal. Elle paye 24 grammes. 24 grammes. Non, elle paye pas 24 grammes en fait. Mais en tout cas. Oui, on va lui donner la grande brève. Modifier équipement. Donc maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Claymore brut. Yeah! T'as pu rajouter des dégâts, sauf que t'as réduit ton scaling. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon. Cran titanite. Moi, je m'en fous, t'es les dégâts que je veux, là. T'es toi qui est meilleure chose que ça. Oh, on va l'améliorer, pourquoi pas, là. Eh, boy. 224. Ouh, là, on va en avoir trop, on va pas l'améliorer au complet en plus. Waouh! Yeah! Modifier équipement. Plus de 10 claymores. Yeah! J'ai l'arme brue au fond. Dans le fond, la claymore peut pas être plus forte que ça en arme brue. Peut-être pas le meilleur, mais 237 de dégâts, c'est beaucoup d'intéressant. Vous savez. Bon. On va réparer nos équipements. Ça a donné, j'avais juste assez. Pourquoi pas? Tant mieux. Hein? Yeah! Bon. Un killing est moins bon, je crois. On va regarder. DD, ouais, t'es moins bon, de moins de dégâts bonus, mais. Pour. On a vite de moins de dégâts de bonus, sauf par contre, on attaque des tant de plus fort. Tant mieux. C'est sûr que là, j'avais dit que je montrais ma dextérité. Mais ce serait aussi intéressant de monter la force à 25 pour pouvoir porter des armes de malade. En fait, on va monter la force à 25. La dextérité, ça va être 15 à nos fois. J'arrête pas d'échanger, mais. C'est pas grave. Les choses de feu nous ont bien aidé durant le boss, faut te dire. Ça a été fort appréciable. Boy. On va aller de même. T'es vraiment loin à la télékinésie. Bon. Et voilà, t'es pâté. Arme de mort vivant perdu. 200. Non, qu'est-ce que ça? Non! Allo, gaffe, que j'ai fait! Je fais juste payer des carrés, merde! Ah, j'ai 3 d'humanité maintenant. Gaspille 2. Pas grave. On va dire que c'est pas tant productif parce que. Je peux. Ah non, ça sert à rien. Je n'aurai jamais assez pour une montée de niveau. Je peux l'utiliser à un rite rituel. Bon. Je n'aurai jamais assez pour monter de niveau. Ça va arrêter. Bon, bref, je vous dis surtout, les amis, on va arrêter ici pour cette vidéo. J'espère beaucoup que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On a battu un fameux gros boss et on a obtenu une arme et on a monté de niveau et on a amélioré notre clément à 100% en arme de dégâts bruts. Donc, je vous dis, laissez un j'aime si la vidéo vous a plu. Je vous dis surtout, prenez soin de vous et bye bye!